Bon, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Vraiment, cette année, c'est un petit peu compliqué. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons donc une des rares séances. Il y en aura au moins une autre sans conférence, donc où je vais avoir l'occasion de refaire le point avec vous sur un certain nombre de choses, et puis d'avancer quand même pour vous faire comprendre l'unité de la thématique du séminaire. Donc en fait, l'objectif du séminaire, je vous le rappelle, c'est de donner un aperçu de la problématique analogique en linguistique et en linguistique théorique en particulier, hein, et en incluant la linguistique guillaumienne. Alors, je vous rappelle là les conférences à venir. Donc, nous avons eu jusqu'à présent une première conférence d'Olivier Soutet dans le cycle de psychomécanique du langage. Ensuite, deux conférences qui se rattachaient plutôt à l'iconicité, à l'analogie, etc., avec Marouchka Ménard et Valentina Visconti. On aura une troisième et dernière intervention d'un type complètement différent de quelqu'un, vous voyez, qui travaille plus sur les discours avec cette conférence la semaine prochaine de Thomas Frank, les analogies binaires entre les syntagmes extrême gauche et extrême droite dans le discours néolibéral contemporain. Bon, donc sur des tweets d'un certain Georges-Louis Boucher que je ne connais pas, mais que je vais découvrir avec vous la semaine prochaine. Bon, et là, on aura eu trois conférences donc autour de ces questions liées à l'analogie, l'iconicité en linguistique théorique. Et toutes les autres conférences, jusqu'à la fin, porteront sur la psychomécanique du langage avec différents spécialistes. Là, je n'ai pas donné les titres de leurs interventions, mais ce qui est certain, c'est que toutes porteront sur la psychomécanique du langage. Donc, l'objectif du séminaire, c'est bien de travailler sur ces questions, iconicité, analogie, linguistique guillaumienne. Bon, le lien, je vous en ai parlé déjà un petit peu, mais j'y reviendrai. Mais je voudrais aussi revenir sur le travail qui est attendu de votre part, hein. Donc, vous savez, la différence, bon, qui n'est pas toujours très nette, mais qu'on fait quand même, et que je fais moi, entre un cours et un séminaire. Un séminaire, en principe, les participants au séminaire contribuent à la recherche qui est menée, hein. Et cette recherche-là, donc, c'est une recherche, encore une fois, qui porte autour de la problématique analogique en linguistique, hein, qui inclut elle-même beaucoup de choses. Je vais y revenir dans un instant. Bien. Alors, vous avez donc comme tâche, pour valider ce séminaire, à produire un petit travail personnel qui peut servir aux recherches qui sont faites dans ce domaine, hein. C'est ça l'idée générale. Donc, ce travail, c'est obligatoirement un travail écrit. Bon, certaines années, je propose aussi un exposé, mais là, comme toutes les séances presque sont prises par des conférences, il y aura une séance en plus, hein, de rattrapage, mais que je n'ai pas indiqué, que je vous indiquerai plus tard. Donc, c'est obligatoirement cette année un travail écrit, hein, une quinzaine de pages, bon, peu importe, hein, ça peut être 10, 15 pages, c'est fait. Évidemment, il faudrait que je vous indique un nombre de signes pour être plus précis, mais enfin, c'est très facile de voir, quel que soit le nombre de pages, si le travail est substantiel ou pas. Il faut veiller, une des choses en dehors du contenu sur lequel je reviendrai, le contenu à proprement parler, ce dont vous parlez, qu'est-ce que vous apportez sur la question, en termes de synthèse bien sûr, hein, pas en termes forcément très personnels, évidemment que contribue à l'évaluation le respect des normes de l'écrit académique français, c'est-à-dire que vous devez produire un texte qui ressemble à un article de revue. Avec donc des citations, des notes en bas de page, bref, tout l'appareil, si vous voulez, textuel, hein, qui caractérise l'écrit universitaire français. Je dis français parce que, ou francophone, parce qu'il y a des traditions qui peuvent être un peu différentes d'un pays à l'autre. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de maîtriser l'écrit académique français. Donc il y a un aspect formel, hein, où là, vous vous inspirez
Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir, hein, mais il faut vous inspirer de n'importe quelle. Prenez une revue, si vous ne savez pas comment on fait les biblios, etc. Prenez une revue récente et vous faites exactement la même chose. Hein. Comment, vous savez, par exemple, je sais pas, les citations sont décalées. Bref, j'ai donné d'ailleurs sur le site du cours, il y a un petit guide avec quelques indications, vous pouvez vous y reporter. La date limite du texte, pour rendre le texte, c'est le 4 janvier. Comment s'est évalué ce texte, hein? Je donne quand même quelques indications, il me semble que je l'avais déjà dit, mais grosso modo, bon, indépendamment cette fois-ci donc, de l'aspect purement formel, hein, c'est-à-dire de ce que j'appelle là l'écrit académique français, le respect des codes, si vous voulez, de cet écrit. En termes de contenu, ce que j'évalue, c'est d'abord la clarté du propos. Est-ce que on comprend ce que vous écrivez? Évidemment, la qualité de la langue. Hein. Alors ça, évidemment, ça pose une difficulté pour les étudiantes étrangères qui évidemment, ont plus de mal à produire un écrit en français. Mais si c'est très mal écrit en français, évidemment, on ne peut pas du tout avoir une note correcte. Hein. C'est vraiment le minimum. Il faut soit se faire aider, se faire relire. Enfin bon, quand on est étudiant ou étudiante étrangère, trouver des solutions pour pouvoir rendre quelque chose de lisible. Hein. Bon. Ensuite, il y a le lien avec la thématique, la proximité, la proximité ou la pertinence, si vous voulez, du sujet choisi. Parce que parfois j'accepte des sujets parce que bon, bah, les étudiants, les étudiantes le proposent et ne proposent pas autre chose, tout en disant que le sujet est quand même un peu loin de la problématique qui est au cœur du séminaire. Donc, si vous proposez quelque chose qui est un peu loin parce que juste vous avez déjà travaillé là-dessus, ça vous arrange, etc., bon, très bien, pourquoi pas. Mais forcément, dans l'évaluation, ça compte, hein, parce que c'est moins central par rapport à la problématique. Voilà, grosso modo, ce sont ceux-là les critères principaux, la pertinence par rapport à la problématique de l'analogie en linguistique, la qualité de l'écrit français, et puis le respect des normes de l'écrit académique. Bon, sur le choix du sujet, là, évidemment, votre choix, il est soumis à un accord de ma part. Hein, vous proposez par mail une idée de sujet, et moi, soit je vous dis tout de suite, oui, ça va, c'est bien. Il y a d'ailleurs une personne qui m'a écrit pour l'instant, je ne sais pas si elle est présente, pour me proposer, oui, c'est vous, pour me proposer un sujet. Alors, évidemment, c'est différent pour les personnes avec qui je fais le master, parce que là, normalement, les personnes pour qui je dirige le mémoire de master, parce que là, j'ai un suivi quand même différent, mais plus régulier, disons. Mais sinon, vous me proposez un sujet par mail, et puis soit je dis tout de suite, oui, ça va, voilà, soit je vous demande de préciser, ou de réorienter légèrement, etc., etc. Alors, pour l'instant, évidemment, vous avez quoi comme élément pour vous donner une idée de la problématique? Les conférences qu'on a eues, le premier cours que je vous ai donné, et puis le cours d'aujourd'hui qui va aussi servir, à mon avis, qui va vous aider, qui devrait vous aider, finalement, à vous décider vers quelque chose, ou au moins à avoir une première orientation. Hein. Donc, je vais aujourd'hui essayer d'avancer dans la description de la problématique analogique en linguistique, et puis on essaiera j'espère que j'aurai au moins assez de temps, disons au moins un bon quart d'heure, pour qu'on puisse discuter, faire un tour de table, pour voir un peu si vous avez des questions, si vous avez des pistes, qu'on puisse en discuter de manière informelle avant que vous fassiez des propositions. Alors, je rappelle donc quelques éléments rapidement qu'on avait vus lors de la première séance du séminaire. Donc, je vous avais situer globalement la linguistique théorique par rapport à la linguistique descriptive et la linguistique appliquée, je n'y reviens pas, mais simplement j'avais donné, et c'est tout de suite pour faire un lien avec la linguistique guillaumienne, une citation Guillaume indiquant que chez lui, la théorie a un statut particulier puisqu'il considère, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, que les théories ne sont pas juste des émanations des faits linguistiques, c'est-à-dire qu'on ne construit pas une théorie directement à partir des faits, mais il y a, pour Guillaume, donc cette idée qu'on doit partir
de ce qu'il appelle les inévitables, une exigence absolue, etc. C'est-à-dire une thèse générale qui, au fond, n'est pas forcément linguistique, qui peut être cognitive, qui peut être de philosophique, mais qui va être une sorte de certitude, hein, de point de départ, de point d'ancrage, à partir duquel on va dériver un cadre théorique et qu'on va ensuite essayer de valider ou pas, enfin, on va l'observer dans les faits. Donc, les faits linguistiques vont être vus à la lumière de ce cadre théorique qui est préalable, finalement. Enfin, qui est préalable d'une certaine façon. Pas absolument préalable, parce qu'évidemment, c'est un linguiste qui propose le cadre théorique. Donc, cette intuition théorique qu'il a, il l'a obtenue par une observation de toutes sortes de phénomènes linguistiques, mais par une sorte d'intuition théorique. Donc, il a émis une hypothèse qui ensuite va être vérifiée. Enfin, une hypothèse qui va fournir un cadre théorique et qui ensuite pourra être vérifiée. Donc, cela suppose que la linguistique soit reliée à d'autres disciplines. Alors, par exemple, la psychologie cognitive ou la philosophie, la psycholinguistique, etc. Dans la perspective donc, de la linguistique analogique, on distingue quand même deux processus cognitifs fondamentaux. On va s'intéresser uniquement à l'analogie, et pas à la synthèse, mais je vous les rappelle quand même rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, par rapport à ce que je viens de dire il y a un instant? Ça veut dire que notre point de départ, qui est une espèce de certitude indépendante de l'examen des faits, c'est qu'il y a des processus analogiques qui sont des processus cognitifs qui existent chez les êtres humains, et on part de cette hypothèse pour essayer de décrire, d'observer, d'analyser les contreparties linguistiques de ces processus cognitifs analogiques. Donc on part bien de quelque chose qui n'est au fond pas linguistique pour arriver vers des descriptions linguistiques. Alors, on va distinguer analogie et synthèse à partir de la distinction entre similarité et contiguïté, une distinction qui a été faite par d'autres linguistes précédemment, notamment, qui a été exploitée par d'autres linguistes antérieurement, bien sûr, comme Jacobson, mais là, on distingue quand même clairement des relations et des processus. Hein. Bon, l'analogie est définie comme un processus d'identification à partir de similarité et la synthèse comme un processus d'unification à partir de contiguïté. Donc, dans le cas de l'analogie, vous avez des choses qui se ressemblent et qui, finalement, en vertu de leur ressemblance, vont être considérées comme identiques, vont être considérées comme identiques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont identiques, puisque de toute façon, elles sont similaires. Mais il y a un processus qui fait qu'on fait comme si elles étaient identiques. De même, pour la synthèse, il y a un processus d'unification qui fait que, bien qu'il y ait deux choses distinctes, on les traite ensemble comme une seule chose. Alors, dans le cas de la similarité, je rappelle que la similarité, c'est un continuum, hein, c'est tout ce qui est entre l'identité et la différence. Donc, ça fait beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de degrés de similarité qui peuvent être plus ou moins grands, et la similarité... Elle ne peut exister qu'à partir du moment où on sort de la pure et simple identité. Sachant que tout ça est une question de perspective, hein, c'est-à-dire c'est éventuellement de perspective. Ça peut être dans la nature qu'il y a similarité, identité ou différence, mais ça peut être aussi simplement des perspectives sur les choses, hein, des points de vue humains sur les réalités. Bien, donc, la similarité, elle est continue, c'est un continuum, elle peut être plus ou moins grande. Et par ailleurs, il y a deux grands types, hein, on distingue deux grands types de similarités, des similarités qu'on appelle binaires ou attributives, donc c'est là simplement les choses, elles ont des propriétés en commun, mais des propriétés simples, comme je vous avais donné cet exemple, les chaussures qui sont noires et les pneus qui sont noirs, mais on peut aussi avoir une similarité proportionnelle, et là, ça n'est plus un point commun au sens d'une propriété commune, mais au sens d'une relation commune entre des constituants d'entité. Par exemple, on va dire que ici, les chaussures servent à protéger les pieds comme les pneus servent à protéger les roues. Bon, donc là, on a une relation plus complexe, plus subtile. C'est d'ailleurs surtout ça qui intéresse les psychologues, hein, parce que c'est quand même une capacité intellectuelle pas si évidente que ça, d'être capable de construire ce genre de relation. Ça s'illustre aussi avec des tests de ce,
ce type-là, hein, A est AB, ce que C est AD, et donc on essaie de trouver, on essaie de comprendre la relation entre les deux premiers éléments. Bon, bah là, par exemple, on a un rond blanc, enfin un cercle, oui, enfin un rond blanc au milieu duquel est situé un carré noir, et ensuite on a finalement la situation inverse, un carré noir et un rond blanc au centre. Donc, si on projette cette relation sur celle-ci, on va obtenir quoi comme résultat? Vous avez une idée? Ouais, hein? C'est-à-dire qu'ici, comme on a le rond qui est noir, la figure qui est au centre, elle change de couleur, donc elle devient blanche, et la forme également s'inverse, donc ici le carré noir devenait un rond blanc, donc là le rond noir devient un triangle blanc, et la forme contenante, qui ici était un rond blanc, c'est aussi exactement inversé entre forme et couleur, devient un carré noir, donc le triangle blanc devient un rond noir. Donc c'est bien la réponse A. Donc, c'est-à-dire, vous voyez comment on procède, on essaie de retrouver la relation entre A et B, et on la projette sur C et D. Donc c'est bien une relation entre des constituants d'unité. Alors je vous avais expliqué du coup la différence entre similarité et ressemblance. Hein. Seule, finalement, la similarité binaire peut être qualifiée de ressemblance. C'est ça qui va faire une différence technique entre similarité et ressemblance. La ressemblance, ça n'est qu'un type particulier de similarité, c'est la similarité binaire. La similarité proportionnelle n'implique pas du tout la ressemblance. Hein. Par exemple, bon, voilà, les cartes qui ne ressemblent pas au territoire, la radiographie ou l'échographie qui ne ressemble pas facilement, hein, qui bien sûr est une projection, il y a bien une similarité proportionnelle entre cette image et la réalité qu'elle désigne, mais, enfin la réalité qu'elle vise, mais cette relation, elle n'est pas une relation de ressemblance. Donc, avec cela, on a ces trois mots qui avaient l'air d'être à peu près identiques, similarité, ressemblance, analogie, hein, qui dans le langage courant sont synonymes. Ici, chacun prend un sens particulier. Hein. L'analogie, c'est le processus à partir des similarités. Les similarités se distinguent en binaires, qui sont la ressemblance, et attributives, il n'y a pas de ressemblance. Alors, à partir du moment où on dit que l'analogie, c'est un processus d'identification, c'est un processus d'identification. Donc, cette identification elle-même, elle peut être plus ou moins forte ou faible, comme la similarité peut être forte ou faible. Donc, on a la combinatoire, finalement, de deux continuums. Et donc, si on divise simplement le continuum en trois zones, hein, minimal, moyen, maximal, hein, donc je coupe mon continuum en trois grandes zones, ben on peut, pour visualiser un peu les choses, hein, avoir toutes sortes de possibilités. Une similarité minimale avec une identité minimale, une similarité maximale avec une identité moyenne, etc. etc. Et je vous avais donné, je crois, l'exemple, par exemple, de l'image surréaliste, qui typiquement part d'une similarité minimale vers une identification maximale. Une pure et simple catégorisation classique, c'est une similarité maximale avec une identification maximale. Bon, bref, il y a toutes sortes de cas comme ça, je ne vais pas détailler. Pour la contiguïté, j'en dis deux mots rapidement. Hein. Là aussi, il y a un continuum de la contiguïté. Les choses, elles peuvent être plus ou moins contiguës. Bon, dans le langage, c'est un peu plus complexe que ça, que ces figures-là, mais cette idée de qu'on associe des éléments qui sont proches, elle est justifiée par par les lois de la Gestalt, par la psychologie de la forme, où forcément, si vous voulez, des figures comme celle-ci, là, sont... Enfin, je veux dire, là, j'ai entouré avec un rond rouge pour aller directement à l'essentiel, mais en fait, quand vous avez des points identiques qui sont proches les uns des autres et éloignés d'autres, ben, on les groupe, on les considère comme une unité simple. Hein. Et de même que... l'analogie, le rapport similarité-analogie est fondé sur des processus analogiques qui ont une réalité cognitive, eh bien, cette idée qu'on traite comme une seule unité des éléments qui sont contigus,
ça a aussi un soubassement, si vous voulez, psychologique, documenté, hein, qui est ce qu'on appelle les chunks, c'est-à-dire des groupements en mémoire, hein, qui font que vous mémorisez une seule unité qui en contient plusieurs, et c'est quelque chose qui est là aussi bien documenté. Mais je passe parce qu'on va se concentrer sur l'analogie. Donc, ce qu'il faudra que je vous explique à un moment donné, ce sont les différentes fonctions de l'analogie. Je vous en donne un tout petit aperçu là, mais on va essayer aujourd'hui, j'espère que j'aurai le temps de vous les expliquer de manière un petit peu plus approfondie. Ce sont des fonctions, il y en a peut-être d'autres, hein, mais à partir de ces fonctions, on décrit déjà pas mal de choses. La fonction catégorisatrice, c'est l'idée que l'analogie, elle nous sert à mettre des choses dans les catégories. Bon, j'en reparlerai tout à l'heure, j'avais expliqué un peu la dernière fois ce que c'est que la catégorisation, mais en gros, bon, au sens courant du terme, hein, vous allez avoir des catégories de mots, des catégories de phrases, des catégories de textes, hein, et l'analogie, dans ce cas-là, elle sert à la notion d'identification, hein, quand je disais tout à l'heure que l'identification d'entités similaires, c'est l'idée qu'on va considérer les deux entités, bien qu'elles ne soient que similaires, comme étant identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas moi, si vous devez ranger des livres, vous allez considérer tous les objets qui ont des pages, qui ont les propriétés des livres, comme appartenant à la catégorie des livres. Donc, ils sont juste similaires, évidemment, ce n'est pas les mêmes livres. Hein. Mais dans la perspective qui est la vôtre, juste de les ranger, vous ne tenez pas compte des différences qu'ils ont. Donc, vous les considérez comme identiques en tant qu'ils sont juste des livres comme objets à ranger. Évidemment que vous n'aurez pas la même perspective si vous cherchez des livres de linguistique, donc où là, il y a une autre catégorie et où vous allez avoir un autre critère pour définir votre catégorie, etc. etc. Bon, ça, c'est la catégorisation. La fonction de régularisation, on va voir que là, j'ai mis l'exemple avec les textes, hein, régularisation moule textuelle, parce que j'ai donné des applications là juste sur les textes. Mais la fonction de régularisation, c'est ça concerne toutes les régularités dans la langue. Par exemple, la régularité des conjugaisons. Le fait que quand vous avez un verbe du premier groupe, il se conjugue toujours de la même façon. Hein, je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Comme je danse, tu danses, il danse. Comme je parle, tu parles, il parle, etc. D'accord ? Donc là, il y a des régularités qui aussi mettent en jeu l'analogie. Pour la fonction iconique, là, c'est la relation entre son et sens qui va être en jeu. On va voir des similarités qui vont produire des identifications entre les sons et les significations. La fonction figurative, c'est le lien entre l'analogie et l'image. C'est l'idée, là, ça va toucher toute la problématique de la métaphore, etc. Et des images dans les phrases, dans les textes. Donc, c'est l'idée que certaines configurations linguistiques produisent un effet d'image. Et cela, évidemment, a un rapport avec l'analogie. Il y a aussi tout ce qui concerne la fonction argumentative de l'analogie. Quand on utilise des analogies pour argumenter dans une certaine direction, ça, c'est quelque chose de très courant et de très bien documenté, l'argumentation par analogie. Bon, c'est très bien documenté, mais il y a beaucoup de flottement, hein, sur les frontières précises de l'argumentation. Et puis la fonction paraphrastique, là, c'est l'analogie en tant que, par exemple, pour traiter la traduction, donc ça, c'est la paraphrase extra-linguistique. La traduction, c'est, en fait, bon, ça apporte pas forcément grand-chose juste de dire cela, mais un texte et sa traduction dans une autre langue, ils sont analogues, ils entretiennent une relation d'analogie d'une certaine façon. Ils sont similaires, mais ils ne sont pas identiques. Hein. Donc là, il y a une façon d'appréhender la traduction à partir de la notion d'analogie et de similarité. Et puis, pour la paraphrase intra-linguistique, c'est simplement l'idée que quand on dit quelque chose, on peut le dire de plusieurs façons différentes qui sont elles-mêmes similaires. Hein. Vous voyez, donc ça donne une idée déjà d'un champ de choses qu'on va pouvoir traiter à partir du concept d'analogie.
mais je vous en donnerai des illustrations peut-être un peu plus précises. Je passe sur les fonctions de la synthèse, je les ai juste mentionnées rapidement. Donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était que, certes, l'analogie est présente dans de nombreux aspects de la vie humaine. D'ailleurs, un collègue m'a fait remarquer que j'avais donné un exemple pour la théologie musulmane. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit, dans le Coran, il n'est pas écrit si le fidèle doit ou non consommer de la cocaïne, mais on se base sur l'interdiction portant sur le vin pour la transférer, et dire par analogie, il n'y a pas le droit. Alors, il semblerait, à vérifier, mais qu'il n'y a pas d'interdiction, je n'ai pas vérifié moi-même, il n'y a pas d'interdiction portant spécifiquement sur le fait de boire du vin dans le Coran, mais simplement, on n'a pas le droit d'aller ivre à la prière. Donc, on n'a pas le droit, effectivement, de boire du vin au moment d'aller à la prière. Bon. Donc, je précise mon propos en disant qu'à ce moment-là, l'analogie, c'est qu'on a, s'il est précisé dans le Coran, mais encore une fois, je laisse les spécialistes vérifier la chose, qu'on n'a pas le droit de boire du vin avant d'aller à la prière, eh bien, par analogie, on n'aura pas le droit non plus de consommer toute substance qui va produire une ivresse ou un manque de concentration, disons, au moment d'aller à la prière. Voilà, c'était juste pour rectifier ça. Bon, donc, je n'y reviens pas parce que j'avais donné toutes sortes d'exemples, mais l'idée, c'est que, évidemment, si l'analogie est présente dans toutes sortes d'aspects de la vie humaine, c'est parce que, aussi, c'est un processus cognitif central chez l'homme. Et donc, à partir du moment où on accepte cette idée que l'analogie est un processus cognitif central dans la vie humaine, dans la cognition humaine, on se dit, oui, forcément, il doit y avoir, donc, puisque le langage est aussi un produit de la cognition humaine, il doit y avoir des structures analogiques dans le langage. Bon, alors, d'abord, je rappelle que l'idée que l'analogie est un processus cognitif central de la cognition humaine n'est pas du tout une idée originale, c'est quelque chose qui est défendu par toutes sortes d'universitaires, que le modèle de base des psychologues, c'est le modèle de Gentner, Structure Mapping Theory, qui est un modèle très général, que à peu près tout le monde accepte, mais en même temps, ce modèle, il ne l'engage pas énormément, mais il dit quelque chose d'un peu général sur l'analogie. Ensuite, il y a une première étape à franchir, qui est déjà en partie franchie par Gentner, mais qui a été, affirmée d'une manière plus forte, peut-être, par d'autres auteurs comme Douglas Hofstetter et Emmanuel Sander, qui en 2003 ont publié ce livre L'analogie, cœur de la pensée, donc en français, il y a une autre version en anglais, qui apparaît aux États-Unis, et qui en fait défend l'idée que la catégorisation et l'analogie, c'est la même chose. C'est, enfin, en gros, plutôt pour le dire d'une manière moins approximative, que la catégorisation est un processus qui met en œuvre Donc la catégorisation est un processus qui, par nature, est un processus analogique. C'est un mode d'exploitation de l'analogie, la catégorisation. Alors ça, c'était pas si clair jusqu'à une certaine époque, c'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, on étudiait l'analogie dans un certain chapitre des manuels de psychologie cognitive et la catégorisation dans un tout autre chapitre qui n'avait rien à voir. On n'avait pas bien perçu le lien et ce lien a été ensuite bien documenté. Alors, il fallait donc passer par une compréhension minimale de ce qu'est la catégorisation et je vous avais expliqué les deux modèles de la catégorisation, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. C'est quoi la catégorisation ? C'est mettre des choses dans une catégorie. Comment on s'y prend spontanément, enfin pas spontanément, mais comment ça peut fonctionner de mettre des choses dans une catégorie ? Ça peut fonctionner par des propriétés ou des définitions. On dit que pour appartenir à telle catégorie, il faut un certain nombre de propriétés. Par exemple, que l'oiseau doit être vertébré et avoir des plumes pour appartenir à cette catégorie oiseau. Que l'animal, donc un animal, pour être qualifié d'oiseau, doit être vertébré et avoir des plumes. Et inversement. Ça, c'est la catégorisation, disons, scientifique, rigoureuse, explicite. Mais ça n'est pas la catégorisation spontanée, puisque on l'avait vu dans la catégorisation spontanée, les frontières des catégories
ne sont pas aussi nettes que cela. Il me semble que je vous avais expliqué la situation des de toutes sortes de cas de la vie quotidienne, que ce soit les vêtements, les meubles, etc., où au fond, on n'utilise pas des propriétés explicites comme cela pour catégoriser. Alors, un autre modèle, donc, reflète plus fidèlement le fonctionnement cognitif spontané de l'être humain, c'est la sémantique du prototype, donc qui se base sur deux idées, mais je vais développer uniquement la première, la notion de prototype d'une catégorie et la notion de niveau de base. La notion de prototype d'une catégorie, elle va consister à dire que pour mettre quelque chose dans une catégorie, je ne me fonde pas sur les propriétés, je n'examine pas les propriétés et je vérifie si elles correspondent aux propriétés de l'objet sur lequel je m'interroge, et je ne vais pas vérifier les propriétés de la catégorie pour mettre l'objet dans la catégorie, non. Je vais utiliser un prototype de la catégorie, c'est-à-dire un exemplaire très représentatif de la catégorie, et ensuite, je vais voir si l'objet sur lequel je m'interroge ressemble ou pas au prototype. Donc, est-ce qu'il y a une similarité avec le prototype ? Si la similarité est grande, eh bien, je le mets facilement dans la catégorie. Et si elle est faible, je le mets à la frontière de la catégorie ou alors pas du tout dans la catégorie. Donc voilà, un exemple d'illustration avec les oiseaux. Le prototype de l'oiseau dans nos contrées, c'est plutôt quelque chose qui ressemble au moineau, par exemple. Et le pingouin et l'autruche qui ne volent pas sont périphériques. De même pour les meubles, les meubles, alors vous voyez, là il y a plusieurs prototypes, les meubles prototypiques, ce sont plutôt chaises, tables, canapés, mais la télévision, le réfrigérateur seraient plus périphériques, et tout cela est fondé sur des études de psychologie cognitive. Alors, au total, ce qu'on peut dire, c'est que la catégorisation, c'est évidemment une opération centrale de la cognition humaine. Je veux dire que c'est ce que disait Lakoff déjà, sans la capacité de catégoriser, nous ne pourrions pas fonctionner du tout, ni dans le monde physique, ni dans nos vies intellectuelles ou sociales. C'est-à-dire très difficile à imaginer un être qui ne pourrait pas catégoriser. Qu'est-ce que ça voudrait dire, quelqu'un, un être qui est totalement dépourvu de l'aptitude à mettre des choses dans les catégories. Il n'y a pas de catégorie. Il reste quoi ? Ça veut dire qu'il n'y aurait que des singularités. C'est-à-dire qu'à la limite, deux grains de sable, ces deux objets aussi différents qu'un grain de sable et une chaise. S'il n'y a plus aucune catégorie, chaque chose est une pure singularité incomparable avec aucune autre. C'est ça, l'absence de catégorisation. Peut-être les machines, les ordinateurs, etc. fonctionnent un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de catégorisation spontanée. Ça, c'est sûr. Mais on les programme pour qu'il y en ait de la catégorisation. Mais enfin, bon. Donc, la catégorisation... Enfin, je veux dire, on ne conçoit pas d'être vivant sans capacité de catégoriser. Il se trouve que chez l'être humain, la capacité de catégorisation est très développée, beaucoup plus que chez d'autres espèces animales, mais on peut d'ailleurs penser que le développement du langage dans l'espèce humaine a conduit à un affinement des capacités de catégorisation. C'est une hypothèse. Donc on ne peut pas ne pas catégoriser. C'est-à-dire, par exemple, quand je regarde là sur la table, je vois plusieurs ordinateurs, je ne peux pas ne pas les voir comme des membres quelconques de la catégorie d'un ordinateur. C'est ça, catégoriser. C'est que je ne vois pas l'ordinateur de tel étudiant ou telle étudiante comme un être, comme un objet qui a une particularité, une unicité. Je le vois comme étant un membre quelconque de la catégorie ordinateur. Et tout ce que vous percevez dans le monde, vous le percevez comme ça. Même quand vous êtes dans la rue, vous voyez des gens, vous les voyez comme des... telle personne va être un membre quelconque de... Alors, quelle catégorie ? Je ne sais pas, moi, de la catégorie
des blonds, des bruns, de la catégorie des gros, de la catégorie des étrangers, des français, ou ce que vous voulez. Bon, hein, donc. Mais vous, même vos parents, vous les voyez bien sûr comme des êtres plus spécifiques, mais ils appartiennent aussi d'une certaine façon, ils agissent comme font tous les parents, donc ils sont des membres quelconques de la catégorie des parents, à certains moments. Hein. Bon. Mais quand même, on a une relation avec eux qui, en principe, construit une certaine singularité. Mais ce que je veux, l'idée que je veux introduire par cette réflexion, c'est de dire que effectivement la catégorisation, elle est inévitable, elle est spontanée, mais elle empêche notre accès à la singularité finalement. On ne peut plus percevoir ce qui est purement singulier parce qu'on voit tout comme des éléments quelconques de catégorie. Hein? Et la singularité, du coup, il faut la conquérir d'une certaine façon. Et on la conquiert par exemple dans l'œuvre d'art, dans en effet des relations, disons. Très intime, particulière avec certaines personnes qui du coup ne sont plus vraiment dans les catégories, hein, mais bon, peuvent toujours l'être, comme je le disais tout à l'heure pour les parents, mais malgré tout vos parents ils ont pour vous une certaine singularité. Bien. Mais enfin quand même, il y a une sorte de contrepartie, si vous voulez, de cette puissance de la catégorisation qui est de nous entraver l'accès à ce qui est unique, singulier. Hein. Et il faut lutter contre les catégorisations spontanées pour réussir à percevoir que quelque chose est singulier. Ça, on le voit bien, par exemple, quand on enseigne la littérature, hein, quand on est professeur de lettres ou professeur de littérature à l'université. La plupart du temps, les élèves voient les textes comme des membres quelconques de la catégorie du texte, je ne sais pas, moi, dans le meilleur des cas, du texte de tel siècle. Hein. Mais qu'on perçoive la singularité de l'écriture de Flaubert, par exemple, ça se construit, cette perception-là. Elle vient pas comme ça. Spontanément, ce qui vient, c'est que, voilà, bon, bah, c'est un texte comme un autre qui parle d'une dame, Madame Bovary, à qui il arrive telle ou telle chose. Voilà. Bon. Cette singularité, elle est construite par l'enseignement, justement. Hein. Bon, je passe sur la liste, je veux dire. Bon, alors, simplement, là où je... La première étape, si vous voulez, de mon raisonnement, c'est de dire que c'est évident que la catégorisation est une opération absolument fondamentale pour tout être vivant, et que la catégorisation, c'est ce que montrent Hofstetter et Sander, ça présuppose un mécanisme analogique. Parce que quand vous mettez des choses dans la même catégorie, c'est parce que ces choses sont similaires. Et l'analogie, c'est précisément dire je les considère comme identiques, alors que je sais très bien qu'elles sont que similaires, et je les considère comme identiques, ça veut dire, là, dans cette situation particulière, je les mets dans la même catégorie. Voilà. Il y a toutes sortes de travaux, d'ailleurs, en psychologie sociale, sur la catégorisation sociale, hein, bon, par exemple. Sans d'ailleurs que les gens qui font ça aient tellement conscience qu'il y a un rapport avec les processus cognitifs analogiques. Mais passons. Donc ça, c'est la fonction, hein, je vous le disais tout à l'heure, un peu catégorisatrice de l'analogie. Donc cette unification, voici comment la formule Hofstetter dans un article assez célèbre, mais qui est ancien, mais qui a quand même marqué le domaine. Hein, donc cette unification théorique qui associe la catégorisation à la théorie du structure mapping, hein, structure mapping theory, SMT. Dit la chose suivante, bon, on pourrait penser que le analogy making, donc le fait de faire des analogies, hein, c'est un cas particulier de raisonnement. Alors, pourquoi il dit ça? C'est parce que effectivement, pendant longtemps, la façon d'aborder l'analogie en psychologie cognitive, c'était de l'aborder comme dans le chapitre sur le raisonnement. On parlait du raisonnement déductif, du raisonnement inductif, du raisonnement par analogie. Et raisonnement au sens de raisonnement conscient. J'essaie de résoudre un problème. Et alors, les psychologues rivalisaient ont rivalisé plutôt d'ingéniosité pour trouver des situations dans lesquelles des personnes utilisent ou pas une source analogique. Bon, il y a toutes sortes d'exemples, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on montre à des personnes comment résoudre un certain problème. Disons qu'on a deux groupes de personnes. À un groupe, on leur montre comment résoudre un certain problème. À l'autre, on ne montre rien du tout. Ensuite, on leur fait faire, aux deux groupes, une tâche qui est analogue au premier problème. Et on voit si ceux à qui on a donné une réponse
pour le premier problème, utilise cette analogie pour résoudre le deuxième ou pas. Bon, il y a toutes sortes de travaux là-dessus. Mais ça, ça suppose une réflexion consciente. Hein. Bref. Donc, on a pensé longtemps que le processus analogique était un cas particulier du raisonnement, comme dans la phrase peu inspirante, hein, disons, de raisonnement analogique et résolution de problèmes, un cliché vieux de la science cognitive mondiale. Et c'est rendre un terrible service, un terrible mauvais service, disservice, à l'analogie. Après tout, le raisonnement et la résolution de problèmes ont été pendant longtemps considérés comme étant très loin du cœur de la pensée humaine. Et si l'analogie n'était qu'un cas spécial de quelque chose qui lui-même est périphérique, eh bien ce serait très peu de choses. Hein, ouais, là, il y a une formule. It would be an itty-bitty blip in the broad blue sky of cognition. Donc, c'est-à-dire, un itty-bitty blip, c'est une toute petite chose. Hein. D'ailleurs, là, c'est de l'iconicité, ça. C'est du symbolisme phonétique. C'est-à-dire, on utilise des i pour dire quelque chose de petit. Hein. Bref, passons. J'y reviendrai tout à l'heure. Itty-bitty blip on the broad blue sky of cognition. Donc, pendant longtemps, on a vu l'analogie comme quelque chose de très spécial, un petit problème à part. Mais voyez la déclaration, enfin bon, évidemment, ça, c'est vers la conclusion de l'article, ou je ne sais plus, ou l'introduction, peut-être, je ne me souviens plus exactement, mais donc c'est purement déclaratif, hein, là, il ne le montre pas, mais pour moi, l'analogie est tout sauf une toute petite chose, hein, bien au contraire. It's the very blue that fills the whole sky of cognition, donc le bleu qui remplit le ciel de la cognition. L'analogie est tout ou presque, selon moi, hein, in my view. Donc, il renverse un peu la chose en disant, ben, voilà, l'analogie, c'est vraiment la base des mécanismes cognitifs. Bon, je pense qu'il faut ajouter quand même la synthèse, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est quand même, je veux dire, ça, c'est le genre d'auteur qui va le plus loin, peut-être, dans l'affirmation que l'analogie, donc, est un processus qui joue un rôle absolument fondamental dans la vie humaine. Alors ensuite, il y a une autre étape à ajouter pour compléter un peu le tableau général des exploitations qui ont été faites de l'analogie, c'est la notion d'iconicité. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'iconicité? C'est facile à comprendre, hein, mais je vais le définir rapidement. Donc, pour Olga Fischer, qui est une des spécialistes internationale de la question. D'ailleurs, on a organisé ici à la Sorbonne en juin dernier, début juin 2023, un grand colloque international avec notamment Olga Fischer, hein, sur Iconicity in Language and Literature, donc l'iconicité dans les langues et en littérature. L'iconicité, au départ, c'est une notion sémiotique, donc je traduis, hein, la citation comme je l'ai fait tout à l'heure pour Hofstetter, qui renvoie à une ressemblance naturelle ou une analogie entre la forme d'un signe et l'objet ou le concept auquel il réfère dans le monde ou dans notre perception du monde. Donc, quand elle dit la forme d'un signe, veut dire le signifiant, que ce soit une lettre, un son, un mot, une structure de mot, ou même une absence de signe. Là, elle vise en fait ce qu'on appelle les morphèmes zéro, et puis l'objet ou le concept le signifie. Donc, vous voyez, la notion d'iconicité est bien définie comme ressemblance naturelle, analogie. Bon, là, elle ne fait pas de différence, mais bon, peu importe, nous on voit bien la différence, entre signifiant, signifié, ou entre forme et contenu d'un signe. D'accord ? Donc là, on touche quand même, vous voyez, ça n'a plus rien à voir. En tout cas, ce n'est pas du tout quelque chose dont des auteurs comme Jepner, Hofstetter, Sander, dont j'ai parlé avant, pouvaient parler. Hein. Eux ne s'intéressaient pas du tout à ce genre de problème. D'accord ? Mais donc l'iconicité, c'est une problématique linguistique, d'ailleurs plus généralement sémiotique, traitée par des personnes qui ne s'intéressaient pas du tout ni à l'analogie, ni à la catégorisation. D'accord ? Mais quand même, on remarque évidemment que dans sa définition même, au cœur de la notion d'iconicité, il y a la notion de similarité et d'analogie, d'où l'intérêt de le prendre en considération ici. Alors, donc l'analogie, l'iconicité, ça va être une analogie qu'on va considérer comme hétérogène, parce qu'elle est entre deux choses d'une nature
différentes. Un son et un sens, par exemple. Un signifié, un signifiant, une forme, un contenu. Alors que, bon, les analogies qu'on a vues avant, dans la catégorisation, ce sont des choses de même nature. Quand je dis que je prenais l'exemple, que je prends des livres, je les mets dans la catégorie des livres, l'analogie, là, elle est entre des livres, donc elle est entre des choses de même nature. La catégorisation, elle joue sur des choses qui sont de même nature. Donc c'est une analogie homogène. Alors que là, on a une analogie hétérogène, entre deux choses qui sont complètement différentes du point de vue de la nature. Bon, et à partir de là, on va retrouver, en fait, la distinction entre les deux propriétés, les deux types d'analogies, binaires et proportionnelles, appliquées à l'iconicité. Donc, premier cas de figure, qui va être celui de l'analogie binaire, la similarité entre le signe et l'objet peut être due à des traits communs qui sont inhérents dans les deux. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, la chaussure noire et le pneu noir. C'est la propriété commune. Par une inspection directe du signe iconique, on peut récupérer des informations vraies au sujet de cet objet. Dans ce cas, on parle d'iconicité d'image, comme dans le portrait ou l'onomatopée, par exemple « coucou », et le signe est appelé une image iconique, ou une icône, image, bref. Donc, c'est quoi ce premier cas? C'est le cas où il y a une ressemblance, où il y a des propriétés communes. Donc, par exemple, le coucou, c'est l'oiseau qu'on nomme coucou, parce que le son de son cri, c'est coucou. Donc, on reconnaît, on a une information avec le mot coucou au sujet de l'objet désigné, enfin, de l'être, là, en l'occurrence, de l'animal désigné par le mot. On a une approximation de son cri. Dans le portrait, alors évidemment, le cas du portrait, c'est pas un cas linguistique, mais ça vient de Peirce, qui était à l'origine de ce, qui a été à l'origine de cette notion d'iconicité. Quand vous faites un portrait, bon, évidemment, il faut imaginer le portrait réaliste de quelqu'un. Vous avez bien un signe, qui est l'image. Là, on est dans la sémiotique, si vous voulez, générale. On n'est plus en linguistique. Là, c'est un signe, c'est le signe visuel. Donc, vous avez une image qui ressemble à la personne qu'elle désigne. Ça, c'est aussi de l'iconicité d'image. Tout à l'heure, itibitiblip, c'est aussi ça, c'est un genre d'onomatopée, mais qui renvoie à une connaissance un peu, une connaissance, disons, pas spontanée, le fait que les sons aigus renvoient à des choses petites. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, donc ça, c'est un premier type d'iconicité, iconicité d'image, qui est fondée sur des propriétés communes entre la forme et l'objet du signe, c'est l'analogie binaire. Mais on va trouver aussi l'analogie proportionnelle. Donc quand on a une pluralité de signes, l'analogie peut être plus abstraite, on a à faire alors à l'iconicité diagrammatique, qui est basée sur une relation entre des signes, qui reflète une relation similaire entre des objets et des actions. Alors l'exemple classique qui est donné, c'est l'exemple de la phrase de César, « Weni, widi, wiki ». Donc, il faut s'imaginer que ces trois mots, weni, widi, wiki, renvoient chacune à des actions. Chaque mot renvoie à une certaine action. Vous avez une succession des mots dans la phrase. Un mot vient après l'autre. Dans weni, widi, wiki, j'ai en premier le mot weni, en deuxième le mot widi, en troisième le mot wiki. Et en fait, ce que veut signifier la notion d'iconicité diagrammatique, c'est que dans la réalité, l'action de venir, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, l'action de venir a eu lieu en premier, l'action de voir en deuxième et l'action de vaincre en troisième. D'accord ? Je l'explique, mais c'est tellement évident du point de vue comme ça, intuitif, qu'on a, on a presque du mal à se dire à quoi ça sert de dire cela. Ben oui, si, quand même, parce que bon, d'abord, ce n'est pas une obligation, mais c'est possible dans toutes les langues, que, en fait, la syntaxe reflète l'ordre de certaines opérations. Il y a toutes sortes d'exemples de ce genre-là qu'on peut étudier. Et ça, c'est donc un deuxième type d'iconicité qui est fondé, cette fois-ci, sur une analogie
proportionnelle. Bon. Alors, deux petites remarques. Cette notion d'iconicité, évidemment, elle s'oppose, au moins, elle s'oppose, oui, clairement, au principe saussurien de l'arbitraire du signe. Hein. Chez Saussure, dans le cours de linguistique générale, où on explique que le premier principe de la linguistique, c'est le principe de l'arbitraire du signe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre les sons et les significations. L'exemple que donne Saussure, c'est l'exemple du sœur, par exemple. Le mot sœur, le son sœur, n'a aucun rapport avec la signification sœur. Alors, certes, il y a de l'arbitraire dans les langues, hein, mais je veux dire, le fait de travailler sur l'iconicité ne conduit pas à nier l'idée qu'il y a de l'arbitraire, hein, mais qu'il y a certes des choses arbitraires, mais aussi de l'iconicité. Hein, c'est-à-dire que les deux principes, le principe de l'arbitraire et l'observation de l'iconicité sont totalement compatibles. Simplement, celui qui étudie l'iconicité ne va conclure en faveur de l'arbitraire qu'en ultime analyse. Quand on ne peut plus expliquer un signifiant, bah on va dire que là, oui, c'est arbitraire. D'accord ? La grande différence, évidemment, c'est que l'arbitraire du signe, quand on dit que le signe est arbitraire, c'est un principe en fait complètement négatif. C'est un principe qui dit qu'il n'y a pas de relation. Donc, il n'y a rien à étudier. Donc, en fait, c'est curieux parce que c'est un principe indispensable, hein, d'une certaine façon, mais en même temps qui ne sert strictement à rien dans l'analyse linguistique. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme un principe en physique, en chimie. Vous avez un principe général dont vous dérivez des équations et qui vous sert à faire quelque chose. Le principe de l'arbitraire, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est juste un principe qui dit... à un moment donné, on ne peut pas justifier certains signifiants par rapport à certains signifiés. Mais ça ne permet pas d'étudier quoi que ce soit, comme en tant que principe. En revanche, l'idée qu'il y a de l'iconicité, qu'il y a de la ressemblance signifiant-signifié, bah oui, bien sûr, là, en revanche, ça produit toutes sortes d'études. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, je vous montrerai ça plus tard. D'ailleurs, je passe là-dessus. Toutes ces recherches, comme je vous le disais, sur l'iconicité linguistique, sont inspirées d'un grand philosophe américain qui s'appelle Peirce, via un article de Jacobson, qui date de 65, qui a introduit les concepts peirciens, et notamment ce concept d'iconicité, dans la linguistique, et ensuite ça a été repris. Donc il y a toute une histoire de cette notion très intéressante, qui est allée du coup à la fois dans la linguistique et dans la sémiotique. Et puis, troisième remarque, évidemment, il y a une certaine lecture de la psychomécanique du langage qui a conduit vers la thématique de l'iconicité. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien entre ce séminaire de linguistique théorique autour de la linguistique analogique et la linguistique guillaumienne. Hein, parce que il y a, dans la linguistique guillaumienne, un type de matériaux théoriques possibles exploitable en faveur de la démonstration de la motivation de toutes sortes de choses dans les langues. Et d'ailleurs, il y a un exemple très fort de cela, c'est le livre de Maurice Toussaint. Donc Maurice Toussaint, il est décédé il y a quelques années, mais là, ce livre, vous voyez, il a paru en 83, c'était tiré de sa thèse contre l'arbitraire du signe. Hein. Là, c'est vraiment affirmé d'une manière un peu militante, parce que pourquoi ne pas que... était contre l'idée qu'il pouvait rester de l'arbitraire un peu résiduel dans les langues, hein. Ça, il l'acceptait tout à fait. Mais simplement, il y a une certaine façon de défendre l'arbitraire du signe qui consiste à dire c'est complètement absurde de travailler sur l'iconicité, ça ne sert à rien, c'est des trucs de fous, de poètes, de gens qui imaginent des choses, ça n'est pas scientifique. Hein. Et donc, à un moment donné, il a fallu... se battre un peu contre le principe de l'arbitraire pour imposer les études sur l'iconicité qui étaient d'une certaine façon ridiculisées par certains chercheurs à partir de la notion d'arbitraire. Donc l'arbitraire a pu servir en termes de politique de la recherche, si vous voulez, à décrédibiliser les études sur l'iconicité. D'où le fait que, inversement, des gens qui défendaient une forme d'iconicité se présente d'une manière un peu agonistique, comme ça, contre l'arbitraire du signe. Bon. Or, Maurice Toussaint,
c'est quelqu'un qui a suivi les cours de Gustave Guillaume, c'est un guillaumien, vraiment, quelqu'un qui connaissait très bien la linguistique guillaumienne, et vous avez en France aujourd'hui une sorte de gens aussi bien qui travaillent sur le français, qui travaillent sur l'espagnol, sur l'italien, par exemple, plus que pour ceux qui travaillent sur l'anglais ou l'espagnol, l'allemand, qui vraiment ont fait avancer la psychomécanique du langage du côté de la notion de motivation du signe. Alors, ça nous amène donc, quand on synthétise un peu tout ce que je vous ai dit là, sur l'idée que déjà, l'analogie, ça va nous regrouper le principe général du mapping structurel là, qu'on trouve chez Gentner, hein, dans la théorie générale de la... Enfin, disons, l'idée générale que le système cognitif humain permet des processus analogiques. Ensuite, vous avez le lien entre analogie, catégorisation ou conceptualisation. C'est la même chose, hein, du point de vue des psychologues. Un concept, une catégorie, c'est la même chose. après, du point de vue philosophique, on peut les distinguer, mais du point de vue psychologique, en tout cas, on peut les confondre. Et puis ensuite, vous avez toute la problématique de l'iconicité qui est liée à l'analogie, comme on vient de le voir. Avec, je fais une distinction entre l'iconicité diagrammatique, là, qui a été bien étudiée par Itkonen, un linguiste suédois qui a travaillé, qui a publié un livre intitulé Analogy as Structure and Process, qui montre bien que l'analogie, joue un rôle dans la description linguistique, et en fait ce qu'il décrit, ce sont des phénomènes d'iconicité diagrammatique. Et puis l'iconicité d'image, elle a été étudiée par toutes sortes d'auteurs, mais pas forcément dans une relation, c'est pour ça que j'ai mis des pointillés là, très direct avec la notion d'analogie. Et puis donc, il faut ajouter là, dans toute cette dimension d'iconicité, qu'elle soit diagrammatique ou d'image, tout l'apport de la linguistique guillaumienne. Alors, maintenant, avançons un petit peu. On a dit que l'analogie, c'était une relation, c'est plutôt l'analogie est fondée sur la similarité, qui est une relation entre quoi et quoi. Alors, on a vu, je rappelle, hein, que la similarité est là, elle a des degrés, c'est un continuum, que l'analogie au sens de l'identification aussi, et donc, je vous ai déjà montré ce tableau tout à l'heure, on peut avoir un couplage d'une identification forte avec une similarité grande, moyenne ou faible, etc. Alors, ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est cette idée de neutralité de la similarité. Hein. Il y a une neutralité de la similarité au sens où, quand vous constatez que des choses sont similaires, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'identification. Vous pouvez très bien en rester à la différence. Hein. C'est similaire, mais différent. Et c'est pour ça qu'il y a une particularité de l'analogie qui, elle, va aller jusqu'à l'identification. Bon. Ça veut dire que si vous allez vers l'identification, puisque la similarité signifie qu'il y a à la fois des propriétés communes et des différences, si vous allez vers l'identification, ça veut dire que vous considérez les propriétés communes comme plus importantes que les différences. Alors, on peut le formaliser comme ça pour l'analogie binaire. Pour qu'il y ait une analogie binaire, il faut d'abord que les deux éléments dont on dit qu'ils sont similaires, il faut qu'ils ne soient pas identiques. Hein. C'est le point de départ du continuum de la similarité. Donc là, je l'ai formulé d'une façon pseudo-mathématique, mais ça veut dire qu'il existe une différence, telle que une propriété D, que, différentielle, disons, telle que X possède cette propriété, mais pas Y. Hein. Donc il doit y avoir au moins une différence. Et puis, il doit y avoir aussi des propriétés communes. Donc, il y a des propriétés communes, des différences. Jusque-là, je n'ai rien fait de plus que de dire qu'il y a de la similarité. Hein. Mais ensuite, le troisième point, et c'est là qu'agit l'analogie, selon un certain point de vue, eh bien, il y a une hiérarchie entre les propriétés différentielles et les propriétés communes. Et en fait, les propriétés communes sont perçues comme de premier plan par rapport aux propriétés différentielles, ce qui fait que, effectivement, ça permet l'identification.
Donc l'analogie proportionnelle, on a vu, hein, c'est des choses du genre, voilà, les chaussettes sont aux pieds comme les gants sont à quoi ? Aux mains, bien sûr, ou alors des petites formules de ce type-là, comme on a vu tout à l'heure, hein, avec ici la réponse, d'ailleurs c'est toujours la réponse 1 qui fonctionne, hein, pour cet exemple-là. On a aussi des analogies proportionnelles dans les discours, hein, bien sûr, avec toutes sortes de formules qui reproduisent la structure A est à B, ce que C est à D. Hein. L'encouragement est à l'enfant, ce que l'eau est à la plante, etc. Alors, pour continuer la description de l'analogie, il faut distinguer le niveau individuel du niveau collectif. Là, jusqu'à présent, j'ai surtout parlé du niveau, disons, individuel. C'est-à-dire qu'il y a des processus analogiques dans le système cognitif du locuteur réel qui sont basés sur des similarités, hein, qu'on appelle parfois des analogies, c'est pour ça que j'ai mis ça entre parenthèses, mais les similarités sont les structures, les ressemblances, par exemple, qui sont disponibles dans le système cognitif du locuteur, c'est-à-dire dans la connaissance d'une langue, il y a la connaissance du fait qu'il y a des régularités, par exemple, morphologiques, syntaxiques, etc. Mais il y a aussi... des processus analogiques et des similarités au plan collectif, c'est-à-dire au plan de la langue elle-même. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des structures disponibles. Cette fois-ci, je parle de la langue donnée, non pas dans l'esprit d'un locuteur. Mais évidemment, ce qui est présent au niveau collectif, c'est la conséquence de ce qui s'est passé chez les locuteurs individuels. Alors, maintenant, voyons entre quoi et quoi peut avoir lieu la relation de similarité. Bon, en simplifiant un peu, on peut distinguer voilà, 5 grands paramètres de la description linguistique. Donc, ESM, les événements sensorimoteurs, c'est-à-dire à la fois les processus, disons, physiologiques de production et de compréhension de la parole. Donc, pour parler, vous avez besoin de... vous exercez musculature, buccofonatoire, etc. Et puis pour entendre, vous avez besoin de l'intégrité du système auditif. Bon. Donc il y a des événements sensorimoteurs qui jouent à un certain niveau. Ensuite, il y a les signifiants et les signifiés, les signes, les concepts, la réalité externe. Hein, donc signifiant, bon, je n'insiste pas sur la différence entre signifiant et événements sensorimoteurs, hein, c'est pas la même chose. Parfois, on simplifie en disant bon, le signifiant, c'est le son, mais non, hein, bien sûr que le signifiant, au sens, disons, saussurien, pour simplifier, c'est une idéalisation, enfin, je veux dire quelque chose d'abstrait par rapport au son lui-même. Même chose pour la différence entre le signifié et le concept. Enfin, bon, disons que le signifié, il est propre à une langue, alors que le concept, il est universel. Enfin, disons qu'il a. Pas qu'il est universel, mais disons que le signe linguistique, il va appartenir à une catégorie linguistique. Par exemple, si c'est un mot, il va appartenir à une partie du discours. Vous voyez ? La différence entre le mot livre et le concept de livre, c'est que le concept de livre, ce n'est pas un nom, ce n'est pas masculin, ce n'est pas le concept de livre, hein, c'est la catégorie livre. Alors que le livre en tant qu'il a un signifié, le livre en tant que mot, lui, c'est un nom masculin, hein, je veux dire, donc, qui a des propriétés linguistiques. Le concept n'a pas de propriétés linguistiques, il a des propriétés conceptuelles de catégorie, etc. Et puis, bien sûr, il y a la réalité externe, hein, qui existe indépendamment du langage. À partir de là, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut distinguer des analogies homogènes et des analogies hétérogènes. Donc, les analogies homogènes, ça va être des analogies entre signifiants, ou entre signifiés, ou entre signes. Et puis les analogies hétérogènes, ça va être toutes les analogies entre des choses de nature différente. Donc, si vous voulez avoir une espèce de tableau d'ensemble avec, bien sûr, des choses qui sont très improbables, vous pouvez avoir un tableau comme ça à double entrée, hein, où vous voyez les analogies homogènes ici, donc entre événements sensorimoteurs, entre signifiants, entre signifiés, etc. Et puis les analogies hétérogènes qui sont partout ailleurs, d'accord ? Bon, on peut, si on veut raffiner un peu, mais j'insiste pas, trouver
prouver le besoin d'introduire une sorte de cas intermédiaire d'analogie homo-hétérogène. Ça sert surtout, par exemple, pour la métaphore où on a besoin à la fois d'une homogénéité et malgré tout d'une hétérogénéité, mais je vais passer sur ce point. Je vous donne juste quelques exemples. Bon, par exemple, de thématiques, d'objets de recherche hein, qui entrent dans les différentes sous-catégories. Bon, l'analogie homogène, ça va être par exemple les analogies entre signifiants, rimes, paronomases. Les analogies entre signifiés, hein, la synonymie ou la parasynonymie, hein, des mots qui sont synonymes, ça veut dire qu'ils ont des signifiés similaires. La polysémie, ce sont des acceptions hein, d'un même mot qui vont être similaires. Les analogies entre événements sensorimoteurs, c'est simplement la notion de phonème hein, qui est définie par là. Les analogies entre référents, bah, c'est tout simplement la notion de catégorie conceptuelle ou sémantique. Les analogies entre signes, c'est ce que Saussure appelle la motivation relative. On en reparlera plus tard. Ensuite, les analogies homo-hétérogènes, comme je vous disais, c'est par exemple pour parler de la métaphore, de l'analogie didactique, de l'analogie argumentative. Pourquoi homo-hétérogène ? Bah, parce que dans une métaphore, bien sûr, vous avez une analogie entre des concepts ou entre des significations. Hein. Mais en fait, pour que la métaphore fonctionne, il faut quand même qu'il y ait un écart sémantique. Sinon, la métaphore, elle ne fonctionne pas. Par exemple, vous pouvez dire être une tortue pour désigner quelqu'un qui est lent. Hein. Alors, Pierre, c'est une vraie tortue. Mais vous n'allez pas pouvoir dire, je ne sais pas, d'un animal qui avance pas vite, c'est une vraie tortue. Ça va faire très bizarre, parce que c'est pas assez loin. Il y a une distance. Pour qu'on construise une métaphore, il faut une distance sémantique suffisante. D'où le fait de parler d'analogie homo-hétérogène. Même chose pour les analogies didactiques ou argumentatives. Et puis ensuite, vous avez les analogies hétérogènes. Donc, par exemple, l'iconicité hein, d'image, c'est-à-dire l'analogie entre forme et contenu, notamment enfin, d'image ou diagrammatique. Et puis, les cas d'analogie entre signifié et référent, donc, qui sont les analogies, disons, cognitives au sens de Lakoff, qui renvoient à la sémantique référentielle. Mais là aussi, je ne peux pas tout expliquer, donc je vais laisser de côté parce qu'on va moins s'y intéresser. Alors, il me reste encore un peu de temps, donc je vais essayer un peu en galopant, je suis désolé, mais de vous décrire un peu mieux les différentes fonctions de l'analogie, et puis ensuite, on aura fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, la fonction de catégorisation, on peut passer vite parce que vous avez compris, hein, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que on peut distinguer les catégories de sens, les catégories de forme, et puis les catégories qui associent forme et sens. Hein. Donc on va avoir des catégories de concepts, des catégories de signifiés. L'enseignement de la grammaire à l'école, c'est de la catégorisation. Hein. C'est on apprend aux élèves à catégoriser les objets linguistiques, donc à être capable de dire si tel mot, c'est est-ce que c'est dans la catégorie des noms, dans la catégorie des verbes, dans la catégorie des pronoms, des déterminants. C'est un apprentissage d'une certaine forme de catégorisation qui est cette catégorisation, la forme et sens, hein, la catégorisation des signes. C'est rien de plus que ça, hein, l'apprentissage de la grammaire. C'est l'apprentissage d'une certaine forme de catégorisation. Donc vous avez des catégories de sens, de forme, ou bien les deux. Les catégories de forme, hein, les phonèmes, on voit bien que on le perçoit bien, on la perçoit bien cette nécessité d'une catégorisation des sons quand on écoute une langue étrangère très loin de la nôtre, hein, par exemple quand on ne parle pas du tout le chinois, quand on entend du chinois, ben, vous ne voyez même pas la différence entre les phonèmes, quoi. Vous n'avez même pas de catégorie phonologique pour identifier les sons. Donc, on voit bien qu'il y a un apprentissage de la catégorisation des sons qui est l'apprentissage de la phonologie d'une langue. Hein. Bon, passons maintenant à la fonction régularisatrice dont pour l'instant je n'ai pas beaucoup parlé. Alors,
L'idée, là, c'est comme tout à l'heure, si vous voulez, la fonction de catégorisation, je l'ai déjà dit, on va interpréter, si vous voulez, l'identification en quoi consiste l'analogie comme signifiant que les éléments appartiennent à une même catégorie. Là, on va dire que les éléments appartiennent à un même paradigme. Hein, on fait une analogie pour dire que les éléments appartiennent à un même paradigme. Alors, par exemple, en synchronie, c'est ce qu'on appelle la motivation relative, donc l'idée qu'on a une régularité dans les paradigmes. Vous voyez, par exemple, en français, vous avez une façon très régulière, enfin, relativement régulière, puisqu'il y a des exceptions, de former les noms d'arbres fruitiers à partir du nom du fruit. Le cerisier, c'est l'arbre sur lequel poussent les cerises, le pommier, c'est l'arbre sur lequel poussent les pommes, etc. Donc, il y a bien une analogie. Hein, il y a bien des analogies, là, parce que vous pouvez dire que pommier est à cerisier, comme pomme est à cerise, enfin, vous voyez. Et à quoi ça sert de disposer de ces analogies? Ben, ça sert à pouvoir... vous pouvez inventer des noms d'arbres, vous pouvez comprendre un nom d'arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà donné cet exemple du cacaoyer. Hein. Si vous n'avez jamais entendu ce mot, cacaoyer, vous pouvez deviner que c'est l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao. Hein. Même si vous ne l'avez jamais entendu, parce que vous êtes capable d'interpréter à partir du modèle fourni, et vous interprétez là, quand vous comprenez cacaouiller alors que vous n'avez jamais entendu ce mot, vous le comprenez par analogie avec cerisier, pommier, poirier, etc. Je ne sais pas moi, si dans une histoire imaginaire, on fabriquait un arbre sur lequel poussent des ordinateurs, ben on l'appellerait un ordinateurier. Ouais, ça pose aucun problème et ce serait immédiatement compris. Hein. Donc on a bien cette capacité analogique. Alors, cette notion de motivation relative, elle décrit, donc vous comprenez bien, tout ce qui est régulier dans les langues, hein, mais il y a quand même des irrégularités, il y a beaucoup de régularités. Et ça, Saussure en a parlé dans le cours de linguistique générale d'une manière plus secondaire par rapport à l'arbitraire absolu. Mais quand même, cette notion de motivation relative, elle vient nous dire, elle vient décrire partout où il y a de la systématicité, de la régularité, de la systématicité. Parce qu'au fond, l'arbitraire, c'est l'irrationnel, c'est l'aléatoire. Hein. Et tout ce qui n'est pas aléatoire, ben, il y a quand même de la régularité. Alors, en diachronie, on étudie classiquement, mais là aussi, depuis Saussure et même bien avant, hein, des phénomènes qu'on appelle des évolutions par analogie. Alors, je vous donne un exemple classique, qui d'ailleurs est repris ou est pris dans le cours de linguistique générale. Vous avez en latin classique, pour dire l'honneur, le mot « onos » qui a son accusatif en « onosem hein, », nominatif « onos », accusatif « onosem ». Et alors, à un moment donné, « onosem » va évoluer, pour des raisons purement phonétiques, hein, en « onorem », c'est ce qu'on appelle le rotacisme, c'est-à-dire les « s » intervocaliques, donc là, par exemple, entre le « o » et le « e », se sont transformés en R. Donc, onosem a évolué en onorem. Hein. Ça, c'est purement mécanique. C'est tous les mots, tous les S dans la même position évoluent pareil. Sauf que, à partir de ce moment-là, on se retrouvait, alors qu'on avait un couple régulier, onos, onosem, un peu comme orator, oratorem, hein, c'est-à-dire un nominatif, puis on ajoute M, si vous voulez, pour le faire simple. On se retrouvait avec un couple bancal, onos, onorem. D'accord ? Eh bien, peu à peu, il y a eu une régularisation, donc ça c'est l'analogie, qui a fait en sorte que onos disparaisse peu à peu et soit remplacé par honor. Mais en fait, si vous voulez, pour retrouver une régularité, honor, honorem, qui a donné honneur en français, mais aussi dans d'autres langues. Bref, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passage de onos à honor, c'est de l'analogie. Ça n'a rien à voir avec le passage de onosem à honorem,
là, c'est de l'évolution phonétique. C'est-à-dire que ça signifie, au fond, pour le dire d'une autre façon, que les premiers latins à avoir dit honor au lieu de honos, ils faisaient une faute, en fait. Ils faisaient une faute, parce que étymologiquement, c'était honos qu'il fallait dire comme nominatif de honorem. Mais la pulsion, en quelque sorte, analogique de régularisation, a conduit à utiliser peu à peu honor. Ce qui a fait qu'à un moment donné de l'histoire du latin, il y a eu une concurrence entre ces deux formes, honos et honor, et finalement, honor s'est imposé, et honos a disparu, et on a retrouvé donc une régularité honorem, honor, honorem. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été découvert date hein, et qui continue à être important, comprendre les phénomènes analogiques qui se distinguent, donc les évolutions analogiques qui se distinguent des évolutions phonétiques. Et puis, je vous ai mis là une citation de Zaïd Konen indiquant que l'idée que de toute façon, quand on fait une description grammaticale, de toute façon, ce qu'on fait, c'est d'écrire les régularités, d'écrire des conjugaisons, d'écrire des déclinaisons, d'écrire toutes sortes de paradigmes, et donc ce qu'on fait, c'est d'écrire des analogies. Hein. Toute description grammaticale, c'est une description d'analogie. Je vous ai indiqué aussi qu'il existe un courant particulier dans la morphologie, qu'on appelle la morphologie naturelle, qui, disons, se concentre très spécifiquement sur, justement, toutes les régularités dans la morphologie. Par opposition, enfin les régularités et les contraintes cognitives sur la morphologie, quelles que soient les langues. Alors, troisième fonction, la fonction iconique. Alors, la fonction iconique, c'est l'idée donc qu'on va avoir une ressemblance entre signifiant et signifié. D'accord ? Une analogie, cette fois-ci hétérogène, entre forme et contenu. Alors, à quoi ça sert ? Ben, le fait de, au fond, alors là, ça veut dire qu'on identifie la forme et le contenu. Comme le disait la citation d'Olga Fischer tout à l'heure, en tout cas pour l'iconicité d'image, c'est qu'on va se servir de la forme pour avoir des informations sur le contenu. On se sert du signifiant pour avoir des informations sur le signifié. Ben, ça sert à faire en sorte que le code soit plus facile à décoder. Hein, parce que, comme le dit la Givonne, toute chose égale par ailleurs, une expérience codée est d'autant plus facile à stocker, récupérer et communiquer que le code est isomorphe similaire à l'expérience. Bon, un exemple classique, peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'exemple des pictogrammes. Hein. Les pictogrammes, ce sont des signes. Par exemple, prenez l'indication de la différence entre toilette homme-femme dans les aéroports. Imaginez qu'on écrive dans la langue du pays où se situe l'aéroport « hommes et femmes sur les portes ». Bon, ben, on aurait beaucoup de mal à s'y retrouver quand on ne connaît pas la langue. Hein. Mais quand on met un pictogramme, c'est-à-dire un petit symbole, où on reconnaît un homme ou une femme avec, évidemment, des propriétés qu'il faut être capable de décoder. Hein. Mais il y a quand même une similarité qui fait que un pictogramme homme est plus facile à décoder qu'un mot homme, que le mot homme, quelle que soit la langue considérée. Donc il y a des régimes sémiotiques ou des formes de signes qui permettent un décodage plus facile quand ils sont similaires ou signifiés. Alors, pour étudier ça, vous avez différents types de travaux. Bon, là, je donne une sorte de référence, mais peu importe. Vous avez deux types de travaux. Des expériences de type psycholinguistique, un peu comme cela. Enfin, je ne sais pas, vous connaissez ça, Maluma Takete, non ? Alors, en fait, ce sont deux mots inventés, hein, qui n'existent pas en principe, en tout cas en français. Mais la chose a été testée sur d'autres langues. Et on vous donne deux formes. Hein. Cette forme-là, très angulaire, irrégulière, et puis une forme arrondie, elle aussi irrégulière. Bon, et la question, c'est, on vous dit, entre Takete et Maluma, quel mot vous choisiriez pour quelle forme? Bon, c'est pas la peine de faire un sondage, hein, tout le monde
a envie d'associer Takete à la forme angulaire et Maluma à la forme arrondie. Ce qui est effectivement le cas, et on le fait, il y a toutes sortes d'expérimentations qui ont été faites avec, au lieu de Takete Maluma, on peut utiliser Kiki et Booba, enfin, toutes sortes d'expériences qui ont été faites de ce type-là, dans des langues extrêmement variées, qui ont toutes montré qu'il y a une régularité. Donc c'est quand même important, parce que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les sons eux-mêmes sont porteurs d'une certaine signification. C'est-à-dire qu'avec que te, vous associez des choses dures, pointues, etc., versus des sons doux comme M, L, enfin d'ailleurs je dis des sons doux, mais que vous allez associer à des formes plus courbes, arrondies, etc. Alors ça, évidemment, ça joue un rôle important, par exemple, dans le marketing. Hein, dans le marketing, il y a beaucoup de travaux sur le symbolisme phonétique dans certaines revues de marketing, parce que, évidemment, quand des entreprises créent de nouveaux produits, que ce soit pharmaceutiques, par exemple, ou autre chose, ils essaient de trouver des noms qui coïncident avec, qui sont cohérents avec les valeurs qui sont associées aux produits. Un autre exemple, je ne crois pas que je vous l'ai mis ici, c'est David Crystal, qui est un linguiste anglais, qui dit, voilà, vous arrivez dans des planètes, et puis il y a deux sortes de planètes étrangères, il y a deux sortes d'extraterrestres, les uns sont méchants, les autres sont gentils, et les uns s'appellent les Lamonians, et les autres s'appellent les Gratak. Qui sont les gentils, qui sont les méchants? Bon, alors, évidemment, là, l'exemple n'est pas très bien choisi, parce que dans Gratak, on entend attaque, mais il suffit qu'il y ait des sons gr, que, pour associer... méchant par rapport à l'ammoniane, vous voyez, où on retrouve à nouveau les L, les M, etc. Donc il y a bien des valeurs associées à des sons. Ça, je veux dire, les gens qui travaillent sur la poésie, sur les formes sonores dans la poésie, le savent très bien intuitivement, mais pendant très longtemps, ça a été totalement tabou en linguistique de travailler sur ce genre de choses. Alors que maintenant, on y travaille d'une manière très sérieuse, et depuis des années, et, il y a toutes sortes de travaux sur ce sujet, soit donc d'un point de vue psycholinguistique, comme ce que je viens de vous montrer, soit en étudiant des corpus et en regardant, par exemple ici, dans cet article de Monaghan, Monaghan a élaboré une mesure de la distance phonologique et une mesure de la distance sémantique. Bon, distance phonologique, je ne sais pas moi, le A et le O sont assez proches, le A et le I sont loin phonologiquement, hein. Ou, je ne sais pas moi, ils sont M et N sont proches, mais M et T, c'est loin. Donc, il y a une distance phonologique, d'accord? Ensuite, il y a une distance sémantique. Bon, des choses qui sont distantes du point de vue du sens. Je ne sais pas moi, un ordinateur, une tablette, une souris, ça va être plutôt proche, alors qu'un ordinateur et une camionnette, ça va être très loin. Bon. Donc, et il a travaillé sur des verbes à partir d'un corpus, il a fait... fait faire à la machine un calcul de corrélation sur les distances, et il a montré qu'en fait, plus les mots sont distants du point de vue du son, plus ils sont distants du point de vue du sens, et plus ils sont proches du point de vue du son, plus ils sont proches du point de vue du sens. Hein. Donc ça montre bien. Et puis il y a une autre étude, je ne l'ai pas noté là, il y a d'autres études qui ont montré, par exemple, une étude de Blasi et d'autres, là je n'ai pas mentionné peut-être, qui a travaillé sur 4000 langues et sur une base de données existante de 4000 langues. Et eux, ils ont cherché, à partir de notions qui existent à peu près dans toutes les cultures, par exemple les parties du corps, des choses comme ça, qu'on trouve dans toutes les langues, dans toutes les cultures, ils ont regardé quels étaient les sons associés, pour voir s'il y avait une régularité. Et en effet, ils ont trouvé des régularités. Par exemple, tout bêtement, le fait que dans pratiquement toutes les langues du monde, le nez est désigné par une consonne nasale. N. Bon, voilà, un exemple tout bête. Mais, voilà. Et ça, évidemment, c'est quand même extrêmement intéressant parce que ça ouvre toutes sortes de pistes sur la valeur intrinsèque des sons. Sur le fait que, en fait, c'est aussi quelque chose qui est appréhendé dans la perspective de l'incarnation des langues, c'est-à-dire que quand vous parlez, vous n'êtes pas un pur esprit, hein. Vous êtes un corps qui parle, et votre corps, il fait certains gestes. Quand vous prononcez des sons comme « te », « que », etc.,
vos muscles sont tendus, etc. Il y a toutes sortes d'aspects corporels dans le langage, d'incarnation des langues, hein, ce qu'on appelle parfois la cognition incarnée, qui justifie des travaux de ce type et qui concernent des propriétés qu'on n'étudiait pas auparavant. Alors, quatrième fonction, la fonction figurative. Alors ça, la fonction figurative, ça suppose la compréhension, là, c'est pareil, je vais être un peu rapide, mais du rapport entre image et analogie. Hein, vous voyez, là, j'ai pris une citation qui m'arrangeait bien, de Le Gern, qui est un linguiste, qui a écrit un livre extrêmement intéressant, vieux, mais très très intéressant, « Sémantique de la métaphore et de la métonymie ». C'est vraiment un petit bijou, ce livre. Il disait l'image est l'expression linguistique d'une analogie. Hein, donc on voit bien là le lien qui est perçu intuitivement entre analogie et image. Hein. je passe sur certaines des caractéristiques pour arriver à cette notion qui est peu utilisée en linguistique, qui est la notion d'imageabilité. La question, elle est de dire qu'est-ce que ça veut dire exactement une image, quand on parle de langage. Parce que, au fond, si je fais une métaphore en disant, enfin, même une métaphore complètement éculée en disant mon banquier est un requin, ou le fameux mon chirurgien est un boucher, des choses comme ça, pourquoi je dis qu'il y a une image? Pourquoi est-ce que couper les ponts, c'est perçu comme imager par rapport à cesser toute relation avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire, image? Bon, alors, il y a une façon sérieuse de l'interpréter, disant que ça produit cognitivement un effet d'image. On a l'impression de voir quelque chose, l'impression de voir quelque chose. Et ça renvoie à la notion documentée en psychologie d'imageabilité. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui ont une imageabilité plus grande que d'autres. Hein. Un mot comme pomme, il a une grande imageabilité, parce que l'on voit facilement une pomme. Alors que un mot comme, je ne sais pas, est-ce qu'il donne un exemple là, on va en voir juste après. Un mot comme anatomie, par exemple, aura une imageabilité beaucoup plus faible dès qu'on est un peu dans les mots abstraits. Donc, vous voyez, il existe des tables comme ça, il y a l'imageabilité ici qui est indiquée, hein, avec un score entre 0 et 5. Vous avez l'imageabilité, là, c'est la concrétude, la fréquence subjective et la valence émotionnelle. Vous voyez que là, on a des noms concrets, hein, abeille, abricot, accordéon. Donc, il y a une espèce de, on a l'impression que c'est un peu similaire. À partir du moment où c'est concret, ça va être imageable. Mais c'est pas toujours le cas, parce que vous voyez, par exemple, ici, bombe, c'est concret, hein, c'est bien. Il y a un indice de concrétude qui est élevé, mais l'indice d'imageabilité est faible, parce que avoir la vue, ce que c'est qu'une bombe. À part la bombe dans les bandes dessinées avec la boule là, et la petite flèche, la boule noire, la petite mèche, pardon. Une bombe, en principe, sauf si vous êtes vous-même un terroriste, ça ne vous évoque rien de spécial. Hein. Donc il y a une imageabilité faible parfois pour des choses concrètes. Inversement, il y a des choses totalement abstraites comme un ange qui ont une imageabilité parce que dans une culture donnée, on sait bien qu'un ange, ce n'est pas concret, mais on va le dessiner avec des ailes, etc. Il va avoir une certaine propriété. Donc, il y a une imageabilité. Donc, tout ça pour vous montrer que ce n'est pas forcément équivalent, concrétude et imageabilité. Un mot comme anatomie, en revanche, lui, à la fois, il est perçu comme abstrait et ayant une faible imageabilité. Donc, vous voyez, vous avez toutes sortes de possibilités entre l'imageabilité et la concrétude, des choses qui sont à la fois qui ont une bonne imageabilité, une bonne concrétude, donc ça, c'est des objets plutôt communs, hein, c'est la plupart des noms concrets. Et puis, vous avez des objets qui ont une bonne imageabilité, mais qui ont une faible concrétude, parce que, ange, diable, donc des choses fictives. Oui. Pourquoi un ange, ça ne serait pas concret? Parce que ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Parce que l'idée de concrétude, là, ce sont les résultats de tests, hein, faits auprès de centaines de personnes à qui on demande de mettre sur une échelle de 1 à 7 est-ce que c'est concret, pas concret. Donc, c'est les gens spontanément qui disent non, c'est pas concret. Parce qu'ils perçoivent qu'un être imaginaire, il n'est pas concret. Je pense que c'est ça l'idée.
Et puis inversement, donc vous avez des choses très concrètes, mais peu usuelles, que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser. Genre un espadon, alors un dictaphone, bon ça dépend pour qui, mais bon un carquois, on voit bien que ce sont des choses qui sont, on sait que ce sont des choses concrètes, mais on n'a pas forcément d'image. Et puis des choses qui sont ni concrètes, ni perçues comme ni concrètes, ni imageables. Donc cette notion de figurativité là, de figurativité vue comme imageabilité, elle permet de travailler sur les métaphores d'une façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va s'interroger pour savoir si une métaphore, elle augmente ou pas l'imageabilité de quelque chose. Par exemple, quand je sais pas, Hugo va dire que l'histoire est un bagne, bon, ben là, c'est sûr que j'ai un gain d'imageabilité. En revanche, Saint John Peirce qui dit « océan, vieux célibataire », là, je n'ai pas un gain d'imageabilité quand je passe d'océan à célibataire. Hein. Donc, c'est une image d'un type complètement différent. Ce n'est pas une image, d'ailleurs, d'une certaine façon. Ça ne produit pas un effet d'image. C'est peut-être une métaphore, mais à ce moment-là, il faut dire que toutes les métaphores ne produisent pas des images. Vous voyez, il y a un travail, là, une réflexion possible sur les liens entre figurativité et image. En tout cas, toute la problématique des métaphores, et là, j'en donne un aperçu vraiment absolument microscopique, est liée, évidemment, toute la problématique des métaphores est liée à la problématique de l'analogie. Ensuite, vous avez toute la problématique de l'argument par analogie. Hein, vous vous souvenez, je crois que je vous avais déjà donné cet exemple de l'holocauste animal, hein, les personnes qui sont certains défenseurs de la cause animale qui vont utiliser une analogie avec l'holocauste pour argumenter en faveur de l'interdiction de tuer des animaux dans les abattoirs. Donc là c'est aussi quelque chose qui est assez bien documenté dans la littérature, mais quand on regarde un peu de près, on voit que l'argument par analogie, hein, il a des frontières assez floues. Et selon les auteurs que j'ai mis ici, Breton, Perelman, Plantin, certains vont mettre l'argument par la comparaison dans l'argument par analogie. D'autres vont distinguer l'argument par analogie proprement dit de l'argument par analogie, disons, qui serait plutôt par l'exemple ou par la métaphore. Hein, donc, en rhétorique, cette catégorie de l'argument par analogie reste un peu floue. Je termine donc par la fonction paraphrastique, en donnant juste ce petit exemple-là qui est une application à la notion d'interprétation. Voyez, quand on a quelqu'un qui produit, un producteur, là, quelqu'un qui produit un texte ou un discours, des gestes, sont à interpréter. Ce qui se passe du point de vue de l'interprète, c'est que il va chercher à reconstituer pour lui-même la relation qui a été établie entre le producteur et l'interprète. Donc là, il y a une sorte de relation par analogie qui va exister et qui est la paraphrase entre l'interprétation et la chose à interpréter. Quand on interprète quelque chose, au fond, on en donne une paraphrase, hein, un équivalent point de vue du sens. Bon. Mais on peut, comme je vous le disais aussi, l'appliquer à la traduction et d'une certaine façon traduire, c'est produire des analogies. Et donc là aussi, il y a tout un travail sur la traduction ou toute une problématique en traductologie qui est liée à une prise en considération des phénomènes de similarité et d'analogie quand on passe d'une langue à l'autre. Alors, je conclue, simplement en rappelant l'idée directrice que l'analogie est un processus cognitif central, bien documenté en linguistique cognitive, qu'on le retrouve dans toutes sortes de phénomènes linguistiques, mais bien sûr, il y a une dispersion tellement grande des phénomènes qu'il y a tout un travail à faire pour systématiser tous ces phénomènes linguistiques qui relèvent de processus analogiques. Voilà, alors
Je suis désolé, j'ai été obligé d'aller un petit peu vite pour couvrir un peu l'ensemble, mais je voulais absolument vous donner quand même une idée d'ensemble de ce qu'on peut aborder dans cette perspective pour que vous-même, vous ayez des idées, de propositions, etc. pour vos travaux personnels. Bien, alors, je vais arrêter là l'enregistrement et puis maintenant, on va pouvoir... discuter un peu si vous avez des questions sur tel ou tel aspect de cette évaluation. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.